par les écrans du monde, ça se passe le 11 septembre 2001. Ça commence le matin du 11 septembre 2001. On suit deux personnages américains, un frère et une sœur. Donc elle travaille au World Trade Center et elle va se retrouver prise dans le crash et dans l'effondrement des tours. Et son frère est chef de la sécurité à l'aéroport de Boston, d'où sont partis les deux avions kamikazes. Donc on commence avec le crash vu de ces deux points de vue-là. Et très vite, en fait, l'enquête des services secrets va commencer, des services américains. Et donc on va suivre aussi la trajectoire, donc, pour le coup à rebrousse-poil, c'est-à-dire en remontant dans le temps, de Mohamed Atta, qui était le chef du commando kamikaze du 11 septembre. C'est un événement qu'on a vécu, en tout cas ici, comme un événement principalement télévisuel, en fait, dès le départ, plus qu'un événement vraiment réellement vécu. Enfin, ça a été réellement vécu à New York, pour le reste du monde, mais par contre pour le monde entier, ça a été un événement qui a été vécu en direct à la télévision. Et en ça, c'est le premier attentat du genre, quoi. C'est-à-dire que il y a eu avant ça la chute du mur de Berlin qui a été retransmise dans la journée, mais là, l'attentat lui-même est pensé pour le direct, en fait. C'est un attentat qui est pensé pour passer à la télé. Et c'était ça qui m'intéressait. Et par ailleurs, cet attentat, il joue, en faisant ça, Al-Qaïda a joué d'un registre qui était un registre surtout américain, puisque le film d'action, le film de guerre et l'idéologie véhiculée par le film et par les médias, ça a été une arme très utilisée pendant la guerre froide notamment, par le bloc atlantique et donc par les États-Unis. Du coup, c'était intéressant de prendre ce biais-là pour voir aussi ce que nous, on en ressent, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, un attentat qu'on ne vit pas, mais qu'en fait on vit parce que simplement il est à la télé et qu'on le regarde et qu'il est spectaculaire. Bah moi, le 11 septembre, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis le 11 septembre, en fait, qui m'intéressait parce que je ne comprenais pas quand c'est arrivé, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'étais trop jeune, en fait, pour. Je ne connaissais pas New York. Al-Qaïda, évidemment, j'en avais jamais entendu parler. Donc, c'est quelque chose qui m'a interpellée tout de suite et qui a été dès le début une espèce d'objet auquel je revenais sans trop savoir quoi en faire, etc. Donc j'avais déjà commencé à travailler là-dessus depuis plusieurs années quand les attentats de Paris ont eu lieu. Et puis par ailleurs, c'est pas la même ampleur. Les attentats de Paris et de Nice, mais surtout de Paris, puisque j'étais à Paris au moment de ces attentats, m'ont énormément touché et affecté, évidemment. Ça m'a permis de repenser aussi certaines choses du roman, notamment du personnage de Lucie, de qu'est-ce qui se passe quand on le vit dans sa chair, en fait. Ce que j'avais moins bien compris avant que ça arrive en France, mais au demeurant, on ne peut pas mettre sur le même plan un attentat qui passe sur toutes les télés du monde et qui fait 3000 morts et qui implique de détourner des avions et 5 odieux personnages qui se munissent de Kalachnikov de contrebande et qui arrivent en Clio à Paris, quoi. Donc il y a quand même une différence d'échelle entre les deux. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que le 11 septembre, c'est quelque part, c'est la date de naissance du 21e siècle et c'est l'acte de décès du 20e siècle, de la puissance hégémonique américaine au niveau symbolique, d'une guerre qui serait une guerre frontale avec des forces en présence qui seraient équivalentes, donc des pays contre des pays ou des blocs contre des blocs. Là, Al-Qaïda, c'est une entité en réseau, c'est pas national. Donc tout ça, ça permettait aussi de réinterroger le 20e siècle, en fait, de voir ce que nous léguait le 20e siècle pour le 21e qu'on est en train de vivre et qui a commencé à ce moment-là, quoi. Il y a plusieurs choses. À la fois, il peut symboliser lui tout seul l'Amérique triomphante parce que c'est un homme qui a travaillé toute sa vie pour Ford, qui a été au cœur de ce mythe de la croissance américain, qui a été très patriote, qui est lui-même un immigré. Donc c'était important aussi pour moi de montrer que l'étranger, c'est pas toujours celui qu'on désigne comme l'étranger, et on peut être patriote sans être né sur le sol, ou enfin que c'est plus compliqué que les images de pièces d'identité. Donc il y a ça, il y a cette façon qu'il a de symboliser peut-être ce 20e siècle américain. Et puis au-delà de ça, c'est un roman, c'est le roman de ces personnages-là. Et lui, c'est le point commun entre William et Lucy, qui sont chacun dans des vies très différentes, qui se parlent peu, et qui sont quand même reliés par cet événement très intime qui est que leur père les appelle, effectivement, et leur dit « en fait, je vais bientôt mourir, je suis condamné, quoi ». Et ça, ce drame intime, c'est aussi l'objet du roman. C'est que le roman, c'est pas seulement un livre sur le 11 septembre, c'est aussi un livre sur des gens qui, à un moment donné de leur vie, et Mohamed Atta aussi, d'une autre façon, voient complètement bouleverser leur système de valeurs, leur cadre. Et la question qui se posait pour moi, c'est comment on négocie ces virages-là? Comment, quand tout d'un coup le réel s'effondre, que ça soit à cause d'un attentat ou que ça soit parce que y a un père qui va partir, quoi. Qu'est-ce qui se passe en nous, quoi? Donc, c'était aussi ça.